j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo très très spéciale puisque là aujourd'hui Koro va prendre très très cher. Je vous explique un petit peu. En gros ce qui se passe c'est que là j'étais en train de tourner une vidéo pour ma chaîne. Rien à voir. Mais en fait j'étais en train de tourner une vidéo où je trie mes vêtements. Cette vidéo sortira demain sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller voir si elle vous intéresse. Bref, et justement j'ai eu l'idée, la fameuse idée, vu que là il y a tous mes vêtements que j'ai triés ici et que en fait en gros ça fait des semaines et des semaines que je dis en gros qu'il faut qu'on trie nos vêtements parce qu'on en a 10 fois trop et qu'il y a plein de trucs qu'on met plus et qu'il ne le fait absolument pas, et ben j'ai décidé tout simplement de lui faire croire que j'allais jeter tous ses fringues. J'ai déjà mis la moitié de ses fringues dans des sacs cabas comme moi j'ai fait pour les miens, que lui je vais lui faire croire que je vais les jeter en fait. Juste avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à aller liker, à la partager et à vous abonner. On est en route vers 700 000 abonnés donc merci à tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui activent la cloche, c'est très très important. Merci aussi à tous ceux qui rentrent le code créateur duo dans la boutique Fortnite, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide vraiment pour plein plein de choses. Pour cette vidéo, objectif 10 000 pouces bleus, je compte sur vous, je sais que vous êtes capable de le faire. Puis moi je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. J'en avais marre que tous nos fringues traînent et là en fait c'est tout ce que j'ai vidé de mon côté à moi. Et là c'est le côté à Roro, encore un petit peu le côté à Roro, encore un petit peu le côté à Roro. Et là j'ai mis la moitié de ses fringues, j'ai tout enlevé, ce qu'il avait mélangé avec mes affaires à moi ici. Et en fait je vous explique, si j'ai vidé mes fringues c'est juste parce que cette armoire elle est en train de s'écrouler, genre littéralement, et que Xena elle dort à côté de l'armoire, elle dort juste ici et j'ai trop peur que ça lui tombe un jour sur le coin de la tête. Du coup j'ai envie de la changer. Xena, tu fais quoi là? Xena, je t'ai dit non. J'ai caprice à Roro dans le sens où je lui ai fait un caprice pour avoir un dressing. C'est ce que j'aurais aimé avoir pour Noël. Du coup, j'ai tout vidé l'armoire et il m'a dit que le jour où on aurait vidé complètement l'armoire, Xena, tu fais n'importe quoi. Xena, je t'ai dit non. Viens ici, viens là. C'est bien. Et bah, en gros, j'aurais peut-être mon dressing. Du coup, là, ce que je vais lui faire croire, c'est que j'ai pris toutes ses affaires et que je vais tout jeter à la poubelle parce que j'avais marre qu'il ne les trie pas. Moi, je l'ai fait, bon, c'est un sacré bordel, je dois tout ranger après. Mais on va voir comment il réagit si je lui dis que je vais jeter tous ses fringues. Ça va, les deux, là? Oh, allez, descendez, là. Arrête. Bab, viens voir. Kiko, arrête. Viens voir, s'il te plaît. On a un problème là. Hein? T'es pas en train de tourner ta vidéo là? Bah non, j'en tourne une autre là. Pour faire quoi? Tu vas assumer devant tout le monde. De? Que ça fait des semaines et des semaines que je te demande de vider l'armoire, on est bien d'accord? Ouais. Et bah tous tes fringues qui sont dans ce sac. Tu les as mis dans le sac hein? Parce que je vais pas les trier comme moi j'ai fait pour moi. Non, il y a des fringues, ça c'est quoi ça? Ça c'est un sarouel tout neuf. Bah tout ça je vais les jeter. Non, si, non, si. Non, je dis pas. Si, si, je vais y jeter. Je dis pas, je m'en occuperai, t'inquiète. Non, 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 du tout. Je dis pas. Non, non, je vais y jeter. Je te le dis, je vais y jeter. Arrête. Non, non, tu vois toutes tes affaires là. Je prends tout, regarde. Hop là, je prends tout. Arrête, bah, arrête, ça se fait. Ça se fait pas. Non, je jette tout. Tu veux pas y trier, moi je vais t'y trier. Je vais y trier facilement, je vais tout jeter. Non, bah, franchement. Bah. On fait comment? Non? Non? Bébé! Non? Bébé! C'est trop tard. Non, sérieux? C'est trop tard. T'aimerais bien, toi, que je te prenne tes fringues et je te. T'avais qu'à le faire? Est-ce que je t'ai pas dit que ça me faisait chier que tu mettes tes fringues sur les miens? Tu mélanges tout dans l'armoire. Et en plus de ça, tu veux pas y trier tout ce que tu mets plus. Donc maintenant, ça part à la benne. De toute façon, tu y mets pas tout ça. C'est-à-dire que j'aurais plus de fringues, là? Non. Non, tu mets plus rien. Allez. Bab, non, arrête, 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 arrête. Arrête! S'il te plaît. Allez, hop. Bab, arrête, s'il te plaît. Et pourquoi je devrais arrêter? Doucement. Ça fait des semaines que je te demande. Non, mais tu en remets encore là? T'en remets encore? Je vais trier, je vais trier, regarde, je vais trier, je vais y plier tranquille, hop. Arrête! Franchement, bam. Je te jure, bam, je te jure que si tu les tries pas là, dans les jours qui suivent, je te laisse 48 heures pour trier tes affaires. Mais attends, c'est quoi le motif exactement? C'est juste parce que surtout tu vas me faire chier. Non, c'est parce que je veux mon dressing. Mais je m'en fous de ton dressing. Moi, juste, tu veux me faire chier, là. Légèrement. T'as pété un câble? Mais en fait, tu crois que ça me fait rire que... Tu devais pas te tourner une vidéo pour ta chaîne? Mais je l'ai tourné, ma vidéo. J'ai trié mes affaires, moi. Mais il manque que les tiennes. C'est problématique, tu vois. Ça, c'est trier tes affaires. Voilà. Ça, il faut tout que j'y replie dans mon truc. Ça, c'est ce que bah, le gars... Moi aussi, je vais replier. T'as trié ce que tu gardais, ce que tu gardais pas? Non. Non. Bah voilà. Bah voilà. Et tu vas pas tout jeter? Bah si, ça va plus vite. De toute façon, t'iras pas jusqu'au bout. Ah bon? Sont les poignets? Là, tu vas y mettre où exactement? Ah, salut, je me casse avec ça. Mais tu vas y mettre où exactement? Non, mais mon sac de fringues, il y a forcément des fringues que je prends dedans. Ah, tu vas y mettre où exactement là? À la poubelle. Non, tu mens.
à la poubelle. Arrête. La vie de la mère, je suis mis à la poubelle, c'est bon. Mon sac de frein, bah, y'a pas même forcément des trucs que je mets dedans. Oui, tu vas pas mettre mes freins à la poubelle. T'es sérieuse là? Ah, je te remonte, je m'en fous. Bah franchement. Là, je perds patience avec toi, je perds patience. J'en ai marre. La vie, imagine. Tu me les aurais jetés là comme ça. Mais c'est fort probable. Garde bien tes fringues. Garde bien un œil sur tes fringues parce que je te jure que je te les jette. Tu te rends compte? Et je fais comment moi après sans fringues? Bah tu te démerdes. T'avais qu'à les trier quand je te l'ai demandé. Mais tu me l'as jamais demandé en fait. Quoi? Tu viens juste de péter un plomb là. Mais t'as pété un plomb ou quoi? Ça fait des semaines, des mois que je te demande de trier. Non, non, mais. Tu te fous de moi ou quoi? Me rends pas fou. Bam. Quoi? Me rends pas fou s'il te plaît. Non, c'est toi, non, me rends pas fou. Non, non, tu me rends. Non, parce que là, tu fais n'importe quoi. Tu vas me les remettre où ces fringues? Bah, dans je t'ai dit, bah, t'as un délai de 48 heures. Écoute-moi. Écoute-moi, t'as un délai de 48 heures pour trier tes fringues. Parce que je te jure, tu vois, tu veux pas que j'achète le dressing, la vie nana, je vais forcer, je vais l'acheter. Quoi qu'il arrive. Donc t'as 48 heures pour trier tes fringues. Mais je m'en fous. Pourquoi tu veux jeter mes fringues? Ah, pourquoi tu veux jeter mes fringues hein? Parce que c'est comme ça. Non, mais t'as pété un pont, toi, t'es une malade. Il va me remettre un placard. T'es une folle. Il va me remettre un placard. Non, ça jette tes fringues et tout. C'est folle. T'as deux. Arrête. T'es une dingue. Et le fond vert, on en fait quoi? Je m'en fous, ça tu le jettes, tu fais ce que tu veux. Ah, oh, y'a des trucs, c'est. Y'a des trucs, c'est à toi aussi, c'est pourri. Pourquoi tu jettes pas aussi? Mais j'ai jeté. Je pense que tu pètes pas un pont si je touche à tes fringues. J'ai jeté. Parce qu'à chaque fois que. Ouais, mais je l'ai fait au moins. Ouais, non, mais. Même les chaises, on en marre. Je pense que tu pèterais un plomb. Bon, maintenant, tu as mangé tout ce que t'as sorti. Parce que bravo, elle a tout sorti. Hein, bravo. Ouais, mais au moins, c'est tout trié. En fait, tu veux juste me jeter mes fringues et me casser les couilles, en fait. Ah, peut-être. Légèrement. Allez, rends pas fou. Légèrement. Allez, 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 allez. Rends pas fou. Qu'est-ce qu'ils font, les kios, là? Non, franchement, Bob, t'as abusé. Me déranger pour ça, t'as abusé. D'accord. Ok. Non mais fais pas un truc de merde avec mes frères. Bah. Tu le remets comme ça dans le placard. On sait pas. On sait pas. Ah non mais. Arrête Bob. Oui, à la limite oui. Non mais pas dans mon coin. Pas dans mon coin. Ça c'est mon coin. Je sais pas si t'as compris. Donc tu les mets ouais, je m'en dirais une enfant, ça c'est non, mon coin. Non c'est mon coin. Tu mets tes affaires où tu veux. Ouais. La vie de ma mère, Bob, c'est mon coin, je rigole tu vraiment mets pas. Tes affaires je l'ai vidé pour qu'il soit propre. Et là j'ai tout replié, tu me le mets là. Non mais tu vas ranger mes frères comme ils étaient en fait de base. Non. Je préfère. Non. Oh les deux là. Sinon je vais pas la trouver. Non non mais tu l'attends, ils se foutent. Oh, tu vas te détendre là? Non mais tu vois je me fais comme ils étaient. Non, attends, attends, ça c'est mon coin. Ça c'est ton coin. Ils seraient triés, tu pourrais largement les remettre tes fringues. Sauf que, oui. Et comme j'avais dit depuis le début, c'est mon coin, c'est ton coin, t'as qu'à les plier. Hein? Des coins quoi? Allez, allez tais-toi là, putain tu saoules. Oh pas fou. Bref, comme vous l'aurez vu, Roro et ses fringues, c'est une grande histoire d'amour. Sauf que j'aimerais bien qu'il m'achète mon dressing. Du coup, je vais le pousser à bout et je vous jure que ça va marcher. Je suis sûre et certaine que ça va marcher. Parce qu'il m'a promis que le jour où on aurait trié cette armoire... En plus, c'est lui qui me dit ça, tu vois. Il a pas honte. Il me dit que c'est le jour où on aura trié cette armoire et qu'on aura tout vidé et tout démonté l'armoire qu'on pourra commander un dressing. Donc moi, j'accélère la cadence, tu vois. Les deux. Est-ce que je peux finir ma vidéo? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Objectif 10 000 pouces bleus, c'est très très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Retrouvez-nous tout à l'heure en live. Je vous dis pas ce soir, mais en vrai, ce sera ce soir. On va streamer l'événement Fortnite. Donc, il y a l'événement Fortnite Star Wars. On va le faire en live. Donc, n'hésitez pas à être nombreux sur le live. Ça nous ferait franchement hyper hyper plaisir. Motivez Roro dans les commentaires pour qu'il m'achète mon dressing. Motivez-le à ranger ses fringues parce que j'en ai marre. Il y a des trucs qu'on met plus en fait, ça sert strictement à rien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!